C'est ça? Quoi? Je suis là prêt à snapper mon premier snap et je te vois dans la télé miroir que tu regardes ce que je fais. Regardez, en fait elle était à moi donc j'étais comme ça, mais elle croyait que je la voyais pas. Sauf que là-bas dans la télé, je voyais sa tête direct. C'est chiant ce miroir. Hein. Qu'est-ce que tu cherchais là? Je regarde ce que tu disais. Qu'est-ce que tu cherchais là? Regardez. Bonjour les pâtés, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? J'ai un méga bouton qui m'est sorti là, putain, incroyable. 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 Dis-moi, tu es partout toi? Incroyable. Si vous avez une petite idée, les fratés, pour lever ça, dites-moi. Voilà, comment on fait pour faire disparaître ça rapide? J'ai jamais de bouton, enfin c'est très rare, j'en ai un peu de temps en temps. Et dès que j'en ai un, ça se voit direct. Hein. Allez, journée découverte. On y va. Le fraté nous récupère, il a le corps à Léon Marchand. Ah, tu sens que là, ça nage. Hein. Ah, tu sens que là, là, c'est costaud. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je te les enregistre, Thiago, je vais te les envoyer, d'accord? Et puis tu passes tout. Et là, bien évidemment, AS Boat 13 qui nous amène dans le plus bel endroit, les fratés. Je vous avais prévenu qu'aujourd'hui ça allait être magnifique. Donc si vous voulez découvrir des endroits comme ça magnifiques, je vous mets le snap, les fratés. Il a les bateaux, il a les endroits, il a tout regardé ça. C'est juste incroyable. Tu n'as même pas besoin d'aller où? Tu vas aller où? Pourquoi tu vas aller à Ibiza? Pourquoi tu vas aller en Espagne? Pourquoi tu vas aller en Corse? Tu as ça à Marseille. Let's go! Ouais, ouais! Elle est jamais partie! Donne à récupérer la meilleure glacière du monde, elle fait à peine 1 kg, c'est une dinguerie, à l'intérieur tu peux mettre jusqu'à 20 litres, tout reste très frais, regardez cette bouteille, je sais pas si vous voyez, elle est encore toute fraîche, tout est frais, et le meilleur de tout, c'est que le couvercle, tu peux t'en servir de plateau, et ça, c'est le top. Et ça bouge pas. Allez, let's go! Et en tout cas, c'est vraiment la meilleure glacière de toute ma vie. Et t'es très stylé avec, hein? Et t'as vu? Glacière rétro, hey, comme ça, il y en a assez. Hein. Pas le temps. Fraté, je viens d'arriver à la maison. Je vais vous montrer, on a une deuxième glacière qui fait 6 litres, qui est un peu plus petit. C'est idéal si, par exemple, vous bossez dans un bureau, que vous amenez à manger. Et elle est vraiment, mais vraiment ultra, ultra, ultra stylée. C'est un truc de malade. Regardez ça, vous avez la petite sangle ici, lanière en cuir qui est réglable. Elle est vraiment ultra stylée, les fratés. À l'intérieur, c'est vraiment les glacières les plus stylées que j'ai vues dans ma vie. Il n'y a rien à dire. Et vous avez différentes couleurs, les fratés. Là, vous avez donc les box, comme ceci, de différentes couleurs. Vous avez les glacières de différentes tailles. C'est vraiment une dinguerie. Les fratés, franchement, les glacières sont hyper, hyper stylées, ultra canon. Petite sangle en cuir, réglable. Vous avez différentes couleurs. Vous avez différentes tailles. Franchement, une petite glacière comme ça pour amener à manger au bureau, c'est ultra stylé. Je suis amoureux de ces glacières. C'est un truc de fou. J'ai jamais eu des glacières aussi belles dans ma vie. Normalement, tu sais, tu as le vieux truc, là, pas beau, rectangle, à l'ancienne. Ça, c'est vraiment trop stylé. Genre, t'es fier de montrer que t'as une glacière. Je sais pas comment expliquer. C'est trop beau.
Fatih, je t'explique, à mon avis, tu vas pas la regretter. Franchement, c'est vraiment de la qualité. Je te promets que c'est de la qualité. Elle est super design. Je la trouve magnifique. Genre, la glacière, c'est une bombe atomique. Voilà, j'attends que tu reçois ta commande et n'hésite pas à commenter mes stories pour me dire si tu es satisfaite ou pas. Tu verras. Franchement, j'ai validé à 100%. Tu as fait un peu, toi, papa? J'avais un peu ma tablette avec une goutte d'eau. Ouais. Tu prends soin un peu de ton matériel? Oui. Bon, super. Elle marche encore. Magnifique. Magnifique. Et si, il n'y a rien. Magnifique. Pizza. Pizza. Hé, hey, coquine. Psst. Pizza. Mais qu'est-ce que vous faites tous les on deux? Joue à Brawl Stars. À quoi tu joues, Nico? À Brawl Stars. Et lui, il joue à Brawl Stars? Donc là, c'est quoi le plan, en fait? Genre, vous faites une partie, vous êtes deux, c'est ça? On est ensemble. Mais c'est quoi les soucis? Il n'écoute pas. Ah, et lui, il fait quoi? Il fait comme, ouais. Mais vous gagnez il un peu? Non, il fuit. Mais c'est quoi? Il faut faire des top 1? Ouais, c'est ça, faire des top 1. Donc là, vous êtes dans la même partie tous les deux. On joue tous les deux dans la même partie. Et Thiago, qu'est-ce qu'il fait? Il me suit et dès que moi j'attaque des gens, ben lui, il fuit. Parce que lui, il veut que des skins, lui. Non, là, il veut juste des skins. Il veut pas la guerre. Hein. On était tranquille, on n'a rien à voir. On voulait pas sortir. On est dans une histoire. Voilà. Manon. Sa copine, ils nous ont chauffé. Allez, allez, allez. Nous, on est tranquille à la maison. On est des vieux, on est relax. Et elles veulent sortir. On marche. Détente, on est bien. Allez, Paté, je vous explique. Si je sors pas ce soir, c'était une histoire. Elle m'a dit, j'en ai marre. Tu vas tout le temps que chez les voisins. Parce que moi, je vous explique, j'adore faire la tournée des voisins. Ça veut dire, si chez mon voisin, j'adore ça. Je vais chez les voisins, je bois un coup, je pars, je papote, après je vais chez un voisin, je pars, je papote, je fais la tournée des voisins. Là, elle me jette dans la ville, là je suis jeté dans la ville, je sais pas ce que je fais, je suis là. En plus on est parti, à chaque fois elle me fait rouler loin, on part, on roule 30 minutes de route, elle adore. Que elle veut aller à gauche, à droite. Bref. Voilà mon histoire les gars. En tout cas aujourd'hui j'ai bien bronzé, je suis content. Putain. Hier j'ai acheté ma petite crème à la pharmacie, là, le Monoï, et je regrette pas. Ouh, on va se faire écraser nous là-haut. En plus je suis trop beau, que moi avec mon débardeur rose. Je suis vraiment magnifique à travers ces palmiers. Bon du coup tu es contente, on est sorti? Oui, j'ai gagné. Tu as gagné? Ah c'était genre une partie. Il y avait un perdant et un gagnant, c'est ça? Non, mais ça me saoule, à chaque fois tu vas faire l'apéro chez les voisins, j'adore mes voisins, hein, mais t'es jamais avec moi. Et donc du coup là tu as gagné. Je voulais quand même dans ce joli. On y a des autres, là. Il y a des...